à Méhan, petit village qui voit débarquer chaque année une horde de festivaliers avides de blasts furieux et de chants hurlés. C'est l'endroit idéal pour faire des découvertes dans la scène métal. Le groupe de Vilnius au-dessus joue un black metal très élaboré avec des thèmes variant entre ambiance tribale glaçante et des passages beaucoup plus percutants. La couverture de leur album End of Chapter est inspirée par la mythologie grecque. Les défunts devaient payer l'obol, un droit de passage pour entrer dans le royaume des morts. The tradition of the coins, you can pay for sticks to cross the Styx river. So it's basically if you see the front cover of the album, you see the girl with coins on her eyes, but the back of our album is the girl is alive. And our songs and the whole album is like it's like a trip between life and death, you know. We still have our own way, our own path, so now we have two finished songs for the new album, but there's like plenty of riffs left. So now we just want to spend our time and take our time in the studio to write a new one album. En place depuis 15 ans, le festival est devenu une valeur sûre dans sa catégorie. Sans chichi, il parvient à présenter chaque année une affiche internationale variée et de qualité. C'est juste le côté groupe qui me plaît vraiment bien et de faire venir des groupes qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous ou qu'on a envie de voir nous. On a grandi petit à petit, pour être plus ou moins maintenant à 1500-1600 personnes alors qu'on était à 400, mais ça n'a jamais été une finalité en soi. Et je pense que le public l'a ressenti, le public nous a suivis au fur et à mesure, et donc par la force des choses, le festival a grandi de manière un peu naturelle. Avec une affiche de 10 groupes en une seule journée, le métal met en place la barre très haut et voit ses fidèles de plus en plus nombreux. Le festival a grandi de manière un peu naturelle, au point d'être même un peu trop gros maintenant par rapport à ce que des amateurs comme nous peuvent faire. Quand la passion t'anime, en règle générale, ça soulève un peu les montagnes. Je ne dis pas qu'on va faire ça jusqu'à 60 ans. Là, on a plus ou moins assez pour commencer à raconter dans le home aux petites vieilles quand on y sera. Donc ça commence à être bien pour moi en tout cas. Et si vous êtes allergique aux méga festivals qui ont sacrifié leur identité, eh bien c'est l'exact opposé que vous présente le Metal Méhan.